Au sommaire de cette édition, nous vous replongeons dans la célébration de la Pâque au Temple Emmanuel. À l'international, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a comparu ce matin au tribunal de Durban pour corruption. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Comme je vous le disais en titre, revenons dans cette édition à la célébration de la Pâque où au Temple Emmanuel, les fidèles ont consacré toute une semaine pour se replonger dans l'essence de la Pâque à travers des enseignements. La dernière journée d'enseignement qui a coïncidé avec le jour de Pâque vous est comptée ici par Théodoria Meogo. À l'église des Assemblées de Dieu du Temple Emmanuel 6 au 1200 logements, la commémoration de la résurrection du Christ a été marquée par des chants d'action de grâce, de méditation et de rétrospection quant à l'engagement individuel de chaque chrétien. Pour le pasteur Samuel Yameogo, la commémoration de la Pâque est vitale pour le chrétien car c'est le fondement de sa foi. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais, alléluia, il est ressuscité. La barque de vourme. Et sa résurrection, la vourme. C'est, comme dit la parole de Dieu, l'encre de notre foi. Et il y a bon kanga, il y a ton temps, l'autre. Pour nous, sahéliens, encre, ça veut rien dire. Ton de son bessa, ça peut venir zamano, un bouton, si c'est encre, ton poum de vourme. Mais c'est vraiment un gros crochet qui retient les bateaux afin que le vent ne puisse pas les emporter. Il y a boum ningara luk ning sangata kom kol bed bed asna yilertu koma ton vugwa ya yin soba. Et c'est la résurrection de Christ. La ya Christ vora qui retient notre foi. Engatondo tebatera luka. Toutes les tempêtes du diable ne peuvent pas bouger. Tebewa marsa fin. Il est ressuscité. Avant la journée pascale proprement dite, toute la semaine a été consacrée à des sessions d'enseignement conduites par le pasteur Étienne Tendano, directeur de l'école biblique des Assemblées de Dieu de Bilanga. De l'institution de la Pâque juive à la forme de célébration actuelle, en passant par la terminologie du mot Pâque, rien n'est resté tabou au cours de cette semaine d'enseignement. Pour la session de cette journée dominicale, l'enseignant a mis un point d'honneur sur les bénéfices que le chrétien retire de Pâques à la lumière de 1 Corinthiens 2, verset 2. Et Christ, par sa mort, à Christ, il a réglé les problèmes qu'il y avait entre nous et Dieu. À cause de nos péchés, nous étions loin de Dieu. Mais Christ ayant accompli la loi, Christ ayant ôté nos péchés, alors nous avons la paix avec Dieu. Donc, en ce jour de Pâques, Jésus veut nous rappeler, soyons en paix avec Dieu. Et aussi en paix avec nous-mêmes. Il y a des gens qui n'ont pas la paix du cœur. Ils sont en train toujours de se dire, ah, moi je ne peux pas, moi je ne vois rien. Non, vous valez quelque chose. L'apôtre Jean, quand il s'adresse aux chrétiens, il dit, bien-aimé de Dieu, à cause de Christ, vous êtes des bien-aimés de Dieu. Donc, en ce jour de Pâques, approchons-nous de Dieu dans le nom de Jésus et avec joie, avec reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous. Et par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons été justifiés. Nous n'avons pas seulement été pardonné. Dieu nous a déclaré juste. Nous sommes justifiés. Et comme il nous déclare juste, nous avons la vie éternelle. Alors présentons-nous à Dieu sans crainte. Parce qu'il ne regarde pas nous seulement. Il voit que nous sommes revêtus de la justice de son Fils. Et il nous accepte dans sa présence. C'est vrai, nous ne devons pas entrer dans la présence de Dieu précipitamment. Il est bon de se préparer. Mais malgré toute préparation, sachez que cela ne vous rend pas capable de vous présenter devant Dieu. C'est par la grâce de Dieu.
Face aux bénéfices incommensurables que le chrétien tire de la mort et de la résurrection de Christ, il se doit d'adopter une attitude qui honore son Sauveur en obéissant à ses commandements. Nous avons une tâche. Et cette tâche, c'est d'abord de nous aimer les uns les autres. L'amour, c'est le signe qui montre que nous sommes des enfants de Dieu. Et Christ dit, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Regardez comment Dieu vous aime. Vous. Et tel que vous êtes, il vous aime. Et souvent, il y a des choses, vous n'êtes même pas conscient que ça ne plaît pas au Seigneur. C'est un jour que vous prenez conscience, mais Jésus vous a supporté tout ce temps-là. Est-ce que vous pouvez accepter les autres aussi comme ça? Priez pour eux. Il y a des faibles parmi nous. Il y a des nouveaux nés parmi nous. Nous devons nous aimer les uns les autres. 1 Corinthiens 13, 1 à 3 nous dit, même lorsque nous avons fini de parler les langues des hommes et que nous parlons les langues des anges, si nous n'agissons pas dans l'amour, nous sommes comment? Dieu nous note. Rien, ça veut dire que zéro même est plus fort. Il ne s'agit pas de faire. Avec quelqu'un, nous faisons les choses. Nous devons travailler dans l'amour. Et le deuxième point que Christ nous a laissé, c'est la grande commission. Il a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, Matthieu chapitre 10, la niverse, puis la niverse, d'aller de faire de toutes les nations ses disciples en les enseignant à garder tout ce qui est prescrit. Faire des disciples, évangéliser, enseigner à garder, il faut implanter des églises. Des attentes qui, aujourd'hui encore, suscitent des interrogations quant à l'œuvre d'évangélisation. Les chrétiens sont donc invités à s'y investir pour que de plus en plus des âmes soient sauvées pour le royaume de Dieu. Le programme de croissance économique dans le secteur agricole évalue son action auprès des populations depuis sa mise en œuvre en 2011. C'est un bilan satisfaisant puisqu'en 2017, c'est un taux d'exécution de 109,78%. Revivons la 12e édition du PCESA avec Théodore Yameougo. Apprécier le niveau d'exécution du programme de croissance économique dans le secteur agricole à travers son rapport d'activité 2017, c'est l'exercice que le comité de pilotage du programme s'est astreint au cours de sa 12e session. En 2017, c'est un taux d'exécution physique de 109,78% qui a pu être atteint, toute chose qui emporte la satisfaction du coordonnateur national. Il faut dire que nous avons atteint donc ce taux parce qu'au niveau de la composante A surtout, nous avions donc des prévisions qui ont été largement dépassées. Et au niveau donc des banques, nous avions une prévision de 1,8 milliard de prêts. Mais là, les banques ont fait un effort considérable en octroyant 69 prêts après donc de 3 milliards et demi. Ce qui fait un taux largement donc supérieur à 150%. Au niveau de la sous-composante A2, appui conseil aux entreprises,
où l'ancienne formule donc se clôturait, un effort a été fait pour justement dépasser là également donc les prévisions, parce qu'ils sont au-delà également aussi donc de plus de 100% donc de taux d'exécution, avec plus de 400 TPE qui ont été accompagnés et 60, une quarantaine donc de PME qui ont été accompagnés, également aussi une trentaine donc d'OP et puis une interprofession qui a été donc appuyée. Donc c'est ce qui montre que ce qui a favorisé donc le dépassement donc du taux de 100%. Au niveau de la composante B, même si nous n'avons pas atteint donc les 100% pour la composante B, l'effort considérable aussi qui a été donc mené a permis de dépasser près de 80% donc de taux d'exécution. Visiblement satisfait des résultats engrangés, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, par ailleurs président du comité de pilotage, a encouragé les acteurs à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre efficace du PCSA. Dans beaucoup de composantes, les résultats sont fort intéressants. Nous pensons que l'accompagnement que le PCSA apporte a des résultats concrets sur le terrain, parce que c'est appuyer les entreprises agricoles à développer donc l'aval donc des différentes filières, puisque le problème qu'on a, c'est pas seulement les amendes des filières, mais aussi l'aval des filières, et c'est tout l'intérêt de ce programme là qui va nous permettre en tout cas d'avoir de mettre en place des acteurs économiques qui vont nous permettre aux filières agricoles là qui sont en amont là de pouvoir bien se développer. Notons que ce programme en cours d'exécution a démarré en 2011 et constitue le troisième programme d'appui de l'ambassade royale du Danemark au secteur agricole. Son ambition est de contribuer à une augmentation de la productivité et des revenus agricoles des populations. Au plan international, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma devrait comparaître au tribunal de Durban ce vendredi matin pour corruption. Suivons. Il était très attendu au tribunal de Durban ce vendredi matin. Souriant et détendu, Jacob Zuma est accueilli par une poignée de ses partisans. Il devait comparaître dans une affaire de corruption, mais le ministère public et les avocats de l'ancien président ont demandé un report de l'audience pour mieux la préparer. Zuma est accusé de corruption dans une affaire qui remonte à la fin des années 90. À cette époque, il est vice-président. Un contrat de vente d'armes de 2,5 milliards dollars est signé avec des entreprises européennes. Parmi elles, le géant français de la défense Thales, le groupe tricolore également poursuivi, est accusé d'avoir versé à Jacob Zuma des pots de vin lors de la réalisation de ce contrat. L'ancien président sud-africain devra répondre le 8 juin prochain de 16 chefs d'accusation, dont ceux de fraude, rackets et blanchiment d'argent. Peu après l'audience, c'est devant ses partisans, venus nombreux, qu'il s'exprime. Il y a encore beaucoup de droits pour tout le monde. Et comme on dit dans ce pays, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Poussé à la démission par son parti, l'ANC, Jacob Zuma, âgé de 75 ans, avait quitté la présidence le 15 février dernier, remplacé par Cyril Ramaphosa. La Côte d'Ivoire optimise sa production de noix d'acajou. Elle occupe la place de premier producteur et premier exportateur mondial. Reportage. Première économie francophone d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire a réussi à retrouver une forte croissance depuis la fin de la crise politico-militaire en 2012, grâce notamment à la production d'anacarde. Premier pays producteur et premier exportateur mondial de noix de cajou avec environ 22% de la production globale d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre 750 000 tonnes à la fin de l'exercice 2018. Nous avons dans notre base de données donc enregistré 127 000 tonnes de noix brutes achetées. Comparativement à la même période de l'année dernière, nous étions donc à 104 000 tonnes, 25 000 tonnes de plus qui ont été achetées donc sur la même période. Toutefois, et à l'image de la majeure partie de ses productions, la Côte d'Ivoire exporte 95% de la production de noix de cajou à l'état brut, ce qui constitue un manque à gagner pour l'économie nationale. C'est dans cette optique que la Banque mondiale a décidé d'octroyer 1 milliard de dollars pour le développement de la Côte d'Ivoire, dont 200 millions de dollars seront consacrés à la transformation de l'anacarde. Objectif, accroître la valeur ajoutée de la noix de cajou en la transformant avant exportation. Ça va amener les paysans à une productivité parce qu'on ne peut pas transformer sans mesure d'accompagnement du point de vue de la technicité, du point de vue de la productivité. Maintenant aussi, s'il y a une transformation ici,
Il ne faudrait pas seulement que la Côte d'Ivoire soit orientée à l'exportation. Il faut aussi emmener les Ivoiriens à consommer ce qu'on transforme. Parce que si nous transformons et nous orientons au niveau seulement de l'exportation, je pense que il y a certains pans de l'économie qui peuvent nous échapper. En février 2018, la Banque mondiale avait rendu public un rapport sur l'économie ivoirienne mettant en exergue le taux de pauvreté qui représente 45% de la population, ainsi que des retards importants en termes de technologie et de productivité. A noter que ces financements seront alloués au cours du premier semestre de l'exercice 2018, selon l'institution de Bretton Woods. Toujours en Côte d'Ivoire, où le président libérien effectue une visite de courtoisie et de travail pour renforcer les liens et s'inspirer du modèle de gestion du président Dramane Ouattara. Reportage. Visite de travail du président libérien George Weah à Abidjan en Côte d'Ivoire du 4 au 5 avril 2018. Objectif, s'inspirer du modèle ivoirien afin de développer le Libéria à travers la construction d'infrastructures adéquates et la relance de l'économie. Il a même profité de cette visite de 48 heures pour inviter les hommes d'affaires ivoiriens à investir dans son pays. Nous voulons exploiter l'expertise ivoirienne pour travailler ensemble et les Ivoiriens pourront venir au Libéria pour faire des affaires car nous sommes ouverts dans ce domaine. Nous voulons mieux exporter nos produits car le Libéria est riche, mais les Libériens sont pauvres. Nous manquons d'infrastructures, mais nous allons rectifier peu à peu cela grâce à la connectivité des routes. Road connectivity, which is important to us. La Côte d'Ivoire et le Libéria entretiennent de bonnes relations depuis de nombreuses années. Et le président ivoirien Alassane Ouattara compte renforcer cette coopération dans différents secteurs avec la nouvelle administration libérienne dirigée par son homologue George Weah. Nous avons échangé sur les questions d'intérêt commun. D'abord, la nécessité de continuer de consolider la paix et d'amitié entre les peuples ivoiriens et libériens, et faire en sorte que la sécurité soit maintenue à nos frontières et échanger nos expériences en matière de développement. Avoir une convergence de vues en matière politique et diplomatique. Notons que c'est la première visite de travail du président Weah en Côte d'Ivoire et son deuxième déplacement dans un pays africain depuis son élection en décembre 2017. Des visites visant à créer et renforcer les relations bilatérales entre son pays et les autres nations africaines. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve une prochaine fois.